poser une question qui va être mais vraiment très ennuyeuse pour vous, je le sais. Je vais vous poser la question de... Vous aviez décidé quoi, en fait, l'année dernière? Vous aviez décidé de changer quoi? C'était quoi votre grande résolution de l'année? Est-ce que vous vous en rappelez? Moi, personnellement, quand je me suis posé cette question, je me suis dit, mais j'ai juste complètement oublié, en fait. Donc, c'est très important d'arriver à voir que c'est pas normal. Ce qu'il faudrait, en fait, arriver à comprendre, c'est que, en prenant une résolution dont je parlerai ailleurs, ou dont j'ai parlé ailleurs, plutôt pour l'année prochaine, eh bien, en fait, c'est quelque chose qui doit vivre avec vous chaque moment de l'année. Et en fait, si vous voulez, le moment, effectivement, de révélation qui est la fin d'année, vous devez avoir accompli cette petite, on va dire, cette petite bout de miracle que vous, en fait, vous portiez en vous. Donc, c'est très important de voir que, d'une certaine façon, ce qui va changer votre vie, ce qui va changer votre année, c'est réellement de prendre, on va dire, une décision. Alors, non pas une décision par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. Il ne s'agit pas de se dire, je veux absolument que Marc-Antoine, en fait, devienne quelqu'un capable de faire le ménage. Je veux dire, il fait ce qu'il veut. Bon. Donc, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une décision par rapport à vous-même. C'est-à-dire de vous dire, ça, j'ai plus envie que ce soit, ou ça, j'ai envie que ça commence. C'est-à-dire de vous astreindre à intégrer une nouvelle habitude dans votre vie. Cette nouvelle habitude devenant, on va dire, la colonne vertébrale réelle de votre existence pour une année.